Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer un peu avec le Hakuba en combat challenge. Mais avant d'y aller, on va profiter de ce petit recrutement de retour que j'ai, car j'ai arrêté le jeu pendant un moment. Ok, bon, globalement, ça va être un perso troc. Est-ce qu'on va avoir un truc sympathique? Ça m'étonnerait. Après, je vous avoue, on ne crache jamais sur 50 colas. Voilà, 50 colas. Hop. Bon, 50 colas. Maintenant, on enchaîne avec le gameplay Hakuba. Let's go. Ok, donc on est parti avec le Hakuba et le petit trébol. Bon, on va essayer d'abord de partir avec le Hakuba. On va peut-être se faire 2-3 games seulement, juste histoire de tester un peu les persos tranquillement. Bon, donc la map Dressrosa, ok. Attention au clos, bien évidemment. Voilà, s'il passe en l'eau, il aura l'anti-malus. Le mid est pour le Franky. Attention au Sanji qui peut se TP, le petit Sanji Oni. Et je n'ai jamais vu Inazuma se battre. Ah, par contre, Bako. Merci. Ok, donc le Franky. Ah, mauvaise compétence, c'est dommage. Bon, voilà ce qu'il en coûte de faire la mauvaise compétence. Ok. Ok, Inazuma a l'air plutôt chaud. Bon, je me suis fait surprendre par l'inconnu. Attention, Sanji. Hop. On tabasse Inazuma. Attention. C'est le fameux lot. Ok. On va prendre le petit boost de PV et capturer tranquillement. Ah, poisson. Est-ce que notre poisson vient en attendant le restore? Restore un peu la jauge, voilà, il arrive. Ok, les alliés ont GG en base adverse. Que va faire le Sasaki? Est-ce qu'il va se TP dans notre base ou ailleurs? Ok. Ok, le Franky qui est là. On te voit, Sasaki. Ok, il se fait casser la gueule par le poisson. Par contre, on n'a plus qu'un seul tas de trésors et je viens de me faire avoir. Hop. Ouais. Ok. Ok, il est cancel. Les mates. Capture en base, on aide un peu le Queen à resto, on se méfie du Inazuma, le Luffy Oni va être géré. Ok. Attention. Hop, on va tenter de gérer le petit Franky Onigashima. On a infligé étourdissement. Ah, le clos, ça va être un peu plus complexe par contre. En plus, mauvais timing pour nous, pour le poisson. Le clos prend aucun dégât par contre. Ok, ça va être dur. Non. Ok, on est mort. C'est la défaite. C'est la défaite, c'est la défaite. On a très mal joué. On a 2-5. C'est affreux comme score. On prend 5-0. Oh là. Ouais, bah je me suis fait surprendre parce que je connaissais pas les persos en vrai.
J'avoue que le Inazuma et le Sasaki m'ont bien eu. Bon, ensuite, le Clo, bon, il l'a bien joué. Il a eu un bon timing avec le poisson. Rod de Cassis, c'est catastrophique. Bon, allez, on enchaîne. Let's go. Ok, la map Alabasta. On repart en Akuba. J'ai pas l'impression qu'il y ait le perso anti-malus en face. Bon, par contre, il y a une armée de Rayleigh. C'est-à-dire que si je tape au milieu et qu'il y en a un seul qui esquive, c'est la sauce. Bon, nous, on a deux Luffy G5. Waouh, G5. Attention au Peros, qui va être très dangereux. Le Oven aussi, qui peut faire du dégât. Attention à ne pas se faire électro par le Inuarashi. Et il va falloir gérer le mur du Dofi. J'ai l'impression que c'est des bots. Triple Oven, j'ai l'impression qu'il y a trois bots en face. Bon, nous, on prend tranquillement le mid. Ok, mais que font-ils? Bon, je pense que c'est les trois bots. Hop, on tabasse le Inuarashi. On se le fait, voilà. Petit perso troc, c'est très bien. Luffy l'achève. Ah, le Peros. Bon, on est mort, on se fait avoir. L'effet bonbon du Peros, toujours aussi dévastateur sur les persos qui n'ont pas anti-malus. Bon, on est parti avec le trébol. On va au mid. Ok, trop tard pour le mid. On laisse Luffy G5 s'en occuper. Alors, si je me trompe pas de compétences. Rayleigh, tu viens là. Beto Beto Lunch. Allez. C'est vrai que le trébol est très fort. Bon, ça c'était stupide. Sûrement un bot. Alors, ça c'était aussi très stupide. Ok, les esquives parfaites. Hop. Bon, on est très lent en tant que défenseur. Par contre, voilà. Voilà, une fois que t'es pris dans notre étreinte, c'est fini. C'est ça la puissance du trébol, mon ref. En vrai, je pense qu'il va être dans les prochains persos que je vais muter, très bol. Hein. Ah, on va win 5-0 cette fois. Bon, en même temps, face à 3 bots. C'était un peu inévitable. Voilà, 5-0, 4-5, en même temps, encore 4-6, même en même temps contre des bots. Voilà, on va regarder quand même, on va checker. Ah oui, c'est vrai, c'est ultra long maintenant de checker les idées, j'avais oublié ça. Alors, idée 0, idée 0 et idée 0. 3 Rayleigh, 3 bots. C'est génial. Toi, un vrai joueur. Ok. Bon, bah, troisième game. Encore à la base. Alors, bon, il y a un autre Clo, on repart encore une fois avec le Akuba. On va tenter de prendre le petit mid tranquillement. Voilà, encore une fois, on est en combat challenge, donc on chill. On est là pour se faire kiffer sur certains persos. Voilà, ceux qui sont pas up encore, qu'il va falloir up. Après, j'avoue, là, le trébol, il me donne bien envie de le up. Bon, hop. Bon, je sais que normalement, je suis pas censé claquer une compétence pour aller au mid. Attention, Sanji. Jonigashima va m'avoir. J'avais oublié. Sanji Nigashima, il a anti-malus. Ok, resto du hot chopper. Wow. Moi, je me fais balader dans tous les sens. Attention à la compétence du chopper.
Bon, Chopper, c'est clairement Bonclay Impel Down en mieux. Ok. Queen qui va pouvoir resto grâce au bras de Bomba et tempo un peu. Bon, on est encore mort rapidement avec Akuba. On peut rien faire contre le Claw par contre. Voilà, on va empêcher les adversaires de prendre ça. Alors, Claw revient. On gagne un peu de temps, bon pas beaucoup, mais bon les doubles, c'est les doubles étapes du Zoro, enfin double les doubles lames du Zoro, ça fait très mal au bouclier quand même. Alors par contre Claw, mon ref, ok, il m'a esquivé, il a bien fait, sinon je le descendais suffisamment ce PV pour lui infliger étourdissement juste après. Ah oui, mais du coup, comme je ne m'inflige pas étourdissement, c'est moi qui me prends étourdissement. J'avais pas pensé à ce léger détail, il m'a fait ouvrir en deux. Comme quoi, même en combat challenge, on ne peut pas chill. Ah. Hop là, nous... ouais, Queen. Allez mon ref, on cap, faire pas 5-0. Ok, on resto, on est deux défenseurs. Attention au chopper. Ok, pour défendre. Mais là, ok, j'ai rien dit, on n'est pas du tout là pour défendre, on se fait marave. Bon, wesh, mais il fait mal le chopper, laisse-moi tranquille. Oh, le chopper Oni. Oh, je l'ai trop sous-estimé, hein. J'ai vu quand il est sorti là récemment, ça parlait qu'il faisait des dégâts de fou, je crois, il y a G4, il a fait genre... 31 000 dégâts sur une auto avec le chopper. Ah, ça montait pas. Hein. C'est ultra. Bon, par contre, on est catastrophique. Allez, une dernière game pour le kiff. Allez, encore Dressrosa. Oula, on n'a pas une très bonne call. Le décompte était assez bas. On part en très ballon. Voilà, direct. La call doit être vraiment bas. Alors, oui, sachez que si votre décompte commence genre vraiment tout proche du début de la game, c'est que vous avez pas une très bonne co pour la game. Regardez, déjà j'ai l'impression que ça lag. Allez hop, bon on va tranquillement au mid. Ok, que fait Kaido? Très bien, on ne sait pas, c'est un mystère. Aïe. Bon, le bouclier qui a bien carré quand même sur le Mazer. Voilà, on lui inflige notre petit effet. Le bouclier, ok, le bouclier. Ah, le bouclier revient, le bouclier. Reviens par ici, toi. Hop, hop. C'est pas forcément le Luffy G5 que je vous ai, mais bon, écoutez, tant qu'on y est, autant se taper. Attention au cracker. Voilà. Son soldat biscuit, c'est un enfer. On connaît. Ok. Pas de chance sur le boubou. Ok, ok. Ah, retour de Big Mom. Ah, pas de bouclier sur le Heavenly Bonbon. Ouais, la défense, les gars. Non, mais Kaido, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, ça, c'est la fausse. Voilà, le Luffy G5, ça va.
Alors. Cracker. Wesh, wesh. King, mon ref. Ok, c'est bon. Ah, je vais être étourdi par contre, du coup. Ok, c'est gentil de m'enlever l'étourdissement. Alors, bon, les alliés sont en train de gérer la game tranquille. On se fait ouvrir par la Robin. Ça, franchement, Robin, c'est un perso. En vrai, j'ai bien envie d'essayer de l'avoir. Là, il y a beaucoup de bleu. D'essayer de l'avoir au portail de fin d'année. Ouais, Luffy, je viens t'aider à resto un peu. Alors par contre, la Olim se barre tranquille. Ok, on a B, pas de problème. Kaido qui joue enfin. Est-ce que c'est un bot ou pas? Je sais pas. Non merde, tu fais quoi, Queen? Reviens là. La win, tranquille, grâce au mate. Et le soldat biscuit qui nous fait bugger. Bon, petit Sika tranquille. Bon, c'était une petite vidéo chill. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Demain, vidéo sur les prochains SBF. Voilà, ceux de l'anniversaire des 5 ans, les prévisions. Je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Love, bye.